Bonjour, dans cette vidéo on va essayer de comprendre, de se faire une idée de quelle est la limite quand x tend vers 3 de cette expression là, x au cube moins 3x au carré divisé par 5x moins 15. Et pour ça ce qu'on va faire c'est calculer en fait la valeur de cette expression là pour des valeurs de x qui s'approchent de plus en plus du nombre 3. Alors bien sûr, il y a peut-être une question que tu te poses, c'est quelle est la valeur de cette expression-là quand x est égal à 3, vraiment égal à 3. Alors on peut calculer ça. Hein. Dans ce cas-là, on va avoir 3 au cube moins 3 fois 3 au, au carré. Le tout divisé par 5 fois 3 moins 15. Et tu vois ici le problème, c'est qu'en fait cette expression-là n'est pas définie pour x égale à 3 puisque on a, le dénominateur va s'annuler. Donc on ne peut pas diviser par 0. En plus, ici, le numérateur s'annule aussi. Donc on a quelque chose qui pourrait être écrit comme ça, 0 sur 0, ce qui n'a pas de sens. On n'a aucune manière de définir ce nombre-là, puisqu'on ne peut pas diviser par 0. Donc tu vois, là, ça a vraiment du sens de se demander quelle est la, la limite de cette expression-là quand x tend vers 3. Puisqu'effectivement, ce n'est pas parce que cette expression n'est pas définie en x égale 3 qu'on ne peut pas examiner le comportement de cette expression aux alentours de la valeur x égale 3. Alors pour ça, je vais faire un tableau. En fait, je vais même faire deux tableaux. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc j'ai déjà un premier tableau ici. Voilà. Donc je vais avoir les valeurs de x ici. Et puis euh, les valeurs du, du quotient, de la fraction qui est ici. x au cube moins 3x au carré sur 5x moins 15. Et puis bon, je vais faire un deuxième tableau exactement identique, voilà. Alors je fais deux tableaux, maintenant je t'explique pourquoi. Eh bien, c'est parce que tu vois, il y a deux façons de s'approcher de la valeur 3. On peut s'approcher de la valeur 3 en venant de la gauche, c'est-à-dire des valeurs qui sont inférieures à 3, et c'est ce que je vais faire dans ce tableau-là. Donc si, je, si tu penses ça de cette manière-là. En fait, on va se rapprocher de la valeur 3, mais en prenant des nombres qui sont toujours plus petits que 3. Donc on peut par exemple prendre la valeur 2,9, qui est assez proche de 3 et plus petite que 3. On peut même s'approcher encore plus de la valeur 3 en prenant par exemple 2,99. Ou bien même, on peut encore s'approcher plus en prenant par exemple x égale 2,999. Et on pourrait continuer à s'approcher indéfiniment comme ça de la valeur 3 en prenant 2,9999 ou bien encore des 9 comme ça. Voilà, ça, ça sera pour ce premier tableau. Et puis pour le deuxième tableau, eh bien je vais m'approcher de, de la valeur 3 mais en prenant des nombres qui sont supérieurs à 3. Donc par exemple, je peux prendre 3,1. 3,1 est supérieur à 3, mais assez proche de 3. Et je peux m'approcher encore plus de la valeur 3 en étant toujours supérieur à 3. Par exemple, je peux prendre la valeur 3,01. Mais je peux faire encore plus proche de 3 en étant toujours supérieur à 3. Je peux, par exemple, prendre la valeur 3,001. Tu vois que je me suis approché de la valeur 3 en venant de la droite. Alors je dis de la droite parce que si tu imagines ta droite graduée comme ça, ici tu as la valeur 3, et quand je m'approche de 3 par des valeurs inférieures à 3, en fait je m'approche comme ça de la valeur 3 euh, par la gauche. Hein. Et au contraire ici, je m'approche de la valeur 3 en étant toujours supérieur à 3, ça veut dire que je m'approche de la valeur 3 en venant comme ça de la droite. Alors ça c'est important parce que en fait ça permet de comprendre un certain vocabulaire c'est qu'avec ce premier tableau ce qu'on fait ici c'est calculer ce qu'on appelle la limite la limite enfin essayer d'avoir une idée de la limite à gauche de cette expression là à gauche puisque x s'approche de 3 en venant de la gauche en étant inférieur à 3 et puis ici par contre, on essaie de se faire une idée de la limite à droite de notre expression. À droite, puisqu'on s'approche de la valeur 3 en venant de la droite, par valeur supérieure à 3. Donc maintenant je vais calculer les, les valeurs de cette expression-là pour les, les différentes valeurs de x que j'ai ici. Alors comme le but de cette vidéo, ce n'est pas de faire tous ces calculs-là, je l'ai préparé sur la calculatrice. Voilà, j'ai rentré la fonction et là j'ai le tableau de valeurs. Donc je vais noter les résultats rapidement. Voilà, donc j'ai d'abord pour 2,9, cette expression-là vaut, vaut 1,682. Pour 2,99, on trouve à peu près 1,788. Pour 2,999, on trouve à peu près 1,779,88. Et puis pour l'autre tableau, pour x égale 3,1, on trouve ici 1,922. Ensuite, on trouve à peu près 1,812. Voilà. Et puis ici, on trouve à peu près 1,801. 1,801. Bon voilà, ça ce sont les calculs. Si tu n'es pas sûr de toi, tu peux refaire toi-même tous les calculs. Mais en tout cas, à partir de ces valeurs-là, de, ce, de ces deux tableaux, ce qu'on peut se dire à peu près raisonnablement, c'est que la limite quand x tend vers 3 de notre expression, eh bien ça va être, disons ici ce qu'on qu aurait envie de dire, c'est que ça va être 1,8. 1,8. Voilà, à peu près. Hein. Donc on n'est pas tout à fait sûr. On verra par la suite des méthodes pour calculer une valeur exacte de cette limite, on, va, on saura le faire, mais pour l'instant, si tu n'es pas sûr de ça, tu, ce que tu peux faire, c'est rajouter des valeurs. Par exemple, calculer ici la valeur de, de l'expression pour 2,9999, et puis encore d'autres, et ici pour x égale 3,0001, 3,0001, et ainsi de suite. Plus tu t'approches de la valeur 3 par valeur supérieure ou inférieure, et plus tu t'approcheras effectivement de la valeur limite de ton expression quand x tend vers 3. Voilà, on va s'arrêter là. Je vais quand même faire une toute petite remarque que j'ai oublié de faire tout à l'heure. Ça concerne ces mots-là, hein, limite à gauche et limite à droite. Très souvent, quand on entend ces mots-là, on pense à un signe. Hein, on pense souvent limite à gauche. C'est des nombres négatifs, limite à droite c'est des nombres positifs. Ce n'est pas du tout ça, c'est vraiment à gauche de la valeur qu'on qu approche. Donc ici, à gauche de 3, ça veut dire plus petite que 3. Ce sont des valeurs proches de 3, mais plus petites que 3. Ici, tu vois 2,9, 2,99, et ainsi de suite. Tout ça, ce sont des valeurs qui sont positives, mais elles sont proches de 3 en étant plus petites que 3. Limite à droite, ce sont pour des valeurs de x qui sont supérieures à 3, donc elles sont à droite de la valeur 3. Alors parfois on dit ici, c'est la limite quand x tend vers 3 moins, 3 moins, la limite à gauche, c'est la limite quand x tend vers 3 moins, euh, parce que x tend vers 3 en étant un peu plus petit que 3. Et ici on dira du coup de la même manière que c'est la limite quand x tend vers 3 plus, c'est-à-dire x tend vers 3 en étant un peu plus grand que 3.